La carterie créative d'Audrey. On tourne. Bonjour à tous, bienvenue sur la carterie créative d'Audrey. Je suis Audrey et je vous propose de me retrouver tous les mercredis et les samedis matins à 8h, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, blog. Je fais un petit peu Pinterest, mais vite fait. Pour des vidéos, en fait, tutoriels de scrapbooking. Dans mes vidéos, ce sont que des vidéos enregistrées qui restent disponibles sur les différents réseaux. Il n'y a pas de live. Je ne fais pas de live parce qu'en fait, je suis aussi infirmière de bloc. Donc, je n'ai pas un planning régulier. Je ne peux donc pas vous donner un rendez-vous régulier hebdomadaire de live. C'est pas possible pour moi. Donc dans mes vidéos, en fait, je vous propose des tutoriels de scrapbooking, alors parfois des cartes un petit peu plus compliquées, un petit peu pop-up, etc. Ou des cartes toutes simples. Parfois, il suffit de pas grand-chose pour faire de magnifiques cartes, que ce soit pour des anniversaires, pour des fêtes, pour... voilà, toutes les occasions sont bonnes pour faire des cartes. Donc je suis spécialisée sur les cartes, évidemment, c'est ma passion, c'est mon plaisir, mon loisir. Et c'est ce que je vous propose, ce que je vous partage. Voilà, mes vidéos sont gratuites, tout est accès libre, évidemment, pas de soucis. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et surtout, si vous avez des questions, vous avez besoin du tutoriel écrit ou autre, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Je vous les donne sans problème, il n'y a pas de souci. Dans mes vidéos, vous trouverez beaucoup et surtout que du matériel Stampin' Up. Pourquoi? Parce que je suis démonstratrice indépendante chez eux, évidemment. Donc je vous mets souvent, je vous parle souvent du lien de la boutique en ligne. Sachez que sur cette boutique, vous pouvez acheter, bien sûr, le matériel Stampin' Up qui est présenté. Faut compter 5 jours de livraison en jour ouvré et 5,95€ de frais de port. Vous pouvez aussi consulter les catalogues. Ils sont disponibles en fait sur la boutique en ligne, donc vous les consultez simplement, ils sont gratuits. Donc vous les téléchargez, vous pouvez les regarder. Et vous pouvez aussi me rejoindre. Parce qu'en fait, moi, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc j'ai un métier à côté. Et si vous voulez faire la même chose, vous pouvez le faire sans problème, rejoindre mon équipe. Donc moi, j'accepte d'être votre marraine et de vous coacher, de vous expliquer les choses, comment ça marche, etc. On a une équipe qui s'appelle l'équipage créatif. C'est pour l'instant, je n'ai pas d'hommes dans mon équipe, c'est que des nanas. Elles sont absolument géniales. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous amuser avec nous, partager toujours dans la bienveillance, eh ben vous cliquez dans la boutique en ligne et vous allez sur « Me rejoindre ». Voilà. Donc maintenant, place au scrap. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un album, un mini-album zigzag. D'accord? J'ai trouvé ma source chez Harmonie Scrap. Sur Facebook, elle a fait une vidéo tutoriel que j'ai suivie. C'était lors d'un live. Et donc, aujourd'hui, eh bien, je vous propose le tutoriel en vidéo. Donc voici un petit peu comment ça se présente. Donc on a un petit bandeau qui ferme le mini album zigzag et l'album ici. Donc là moi j'ai mis des petites poinçons que j'ai découpées avec les paroles de plantes, mais chacun peut mettre absolument ce qu'il veut. D'accord? Donc on essaye de se coordonner avec un côté design, un côté photo ou tamponnage ou message ou voilà tout ce que vous voulez. Ok? Je vous préviens tout de suite, c'est un mini album qui demande quand même pas mal de papier. Il est très consommateur de papier et il prend quand même un peu de temps. Il y a pas mal de découpes à faire, etc. Alors on voit ça tout de suite ensemble. On va commencer par la base de carte. On va prendre deux feuilles de papier blanc. Hop, ma première feuille. Et il va falloir que j'ouvre un paquet. Ah non, c'est bon. Et deuxième feuille blanche. Donc ce sera notre base d'album. Alors, la première feuille, donc j'ai fait un tutoriel écrit juste pour avoir les mesures. Je vais essayer de le laisser à côté pour que vous puissiez le lire. Je ne suis pas sûre que ce soit très visible à la caméra, mais je pourrais vous le remettre ou vous m'envoyer un petit mail et je vous redonne les mesures. D'accord? Donc la première partie, on va faire une carte, on va découper pardon, un morceau de 24 cm par 18,5. Donc 24 cm sur 18,5. Là. Du côté 24 cm, on va venir tout de suite faire des plis tous les 4 cm. Donc ici, 4 cm, je plie. 8, je plie. J'ouvre ma réglette, évidemment. 12. Je plie. 16, donc vous savez qu'on est au pile poil au milieu de la réglette, je plie. Et enfin, 20, je plie. Donc ça, c'était le premier morceau. Et donc, je vais venir
plier mes accordéons. Donc je commence par une vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne. Ok ? Voilà, vous le faites avec votre plioir si vous voulez pour avoir des plis bien propres. Deuxième morceau de papier. Cette fois-ci, on va couper 28 par 18,5. Donc 28 cm. Par 18,5. Et du côté 28, on va aussi se faire des plis tous les 4 cm. Donc 4 cm, 8, 12, 16, 20 et 24. Ok. Toujours même principe, une vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, montagne. On vient marquer les plis que nous venons de faire. Ok ? On va tout de suite assembler nos deux morceaux. Hop, voilà, et voilà. Alors, vous vous mettez une vallée de chaque côté, une vallée, et vous venez tout simplement coller les morceaux ici ensemble, d'accord ? Donc là, pour aller plus vite, je vais le faire au double face. Je mets une bande de scotch double face. Voilà. Et je viens y mettre mon deuxième morceau. Hop, voilà. Impeccable. On le met dedans et on vient assembler nos deux morceaux. Ce qui fait qu'on n'a qu'un seul gros accordéon. Voilà. Voilà, quand c'est fait, hop, on met de côté. Maintenant, on va passer à la couleur unie. Donc là, vous choisissez un papier uni. Donc moi, je vais prendre du bleu nuit. Vous prenez une première feuille. Il va en falloir pas mal, hein, je vous préviens. Alors, en papier uni, on va se faire trois bandes de 24 par 6. Voilà. Donc ici, 6 cm, une bande, deux bandes et trois bandes. Et on vient les couper à 24. Ok, sur ces trois bandes, on va faire un pli à 8 et un pli à 16. Un pli à 8, un pli à 16. Et vous faites la même chose sur les trois bandes. Un pli à 8, un pli à 16. Un pli à 8, un pli à 16. Ensuite, on va venir prendre une autre feuille de papier. Donc, vous mettez de côté. On prend une autre feuille de papier. Et là, on va se couper trois bandes de 18 par 6. Donc, je refais mes 6 cm. 6. 6. Et 6. Donc, trois bandes, donc là on a fait du 6 cm et donc on va couper de l'autre côté à 18 cm. Donc 18 cm, je coupe. Et on fait la même chose pour nos trois bandes de papier. 18, on coupe. Et la dernière, 18, on coupe. Voilà. Pour ces trois bandes-là, on va faire comme tout à l'heure, un pli à 8 cm et un pli à 16. Un pli à 8, un pli à 16. Pareil sur les trois. 8,
et 16. 8 et 16. Voilà. Donc, on va ramasser le massicot temporairement. On va venir assembler nos bandes. Hop. Donc, trois grandes bandes, trois petites bandes, ok? Une grande bande pour une petite bande, on va les assembler ensemble, d'accord? Hop. Voilà. On marque les plis. Alors, est-ce que vous êtes bien ciblés? Parfait. Hop, on marque les plis. Donc faites-le au plioir hein, pour que ce soit propre, n'hésitez surtout pas, d'accord? Donc là, on va réfléchir 2 secondes. Il va falloir assembler en fait les 3 bandes. Voilà, donc on reprend notre petit accordéon. Et là, le but du jeu, en fait, ça va être de les mettre en quinconce. Donc il y en a un qui viendra comme ceci. L'autre qui viendra à l'inverse, comme ceci. Donc vous comptez 2 accordéons blancs pour un pont bleu nuit. Ok? Donc là, hop, voilà. Donc je suis obligée moi de me placer comme ça sur mon accordéon pour y voir clair et pour ne pas me tromper. Voilà. Comme ça. Et donc on a les petits qui vont venir s'assembler. Donc ici, hop, je veux que ça vienne comme ceci. Celui-là viendra à l'inverse, comme ça. Et celui-ci viendra comme ceci. D'accord? Donc, un dedans, un dehors, un dedans. Donc, vallée, montagne, vallée, si vous préférez. D'accord? Voilà. Et là, en fait, ça me permet de cibler un petit peu ce que je vais faire. Donc, je prends simplement ma colle liquide. Et là, je vais venir coller mes panneaux ensemble. Évidemment, on va avoir de la décoration. Donc, je vais essayer de le planquer au maximum. D'accord? Mais j'aurai de la déco. Ok? Donc là, je mets ma colle sur ma petite bandelette. Et je viens la poser sur l'autre. Voilà pour une. Pour deux. Alors que vous mettiez au-dessus ou en dessous, ça n'a aucune importance, hein, vos bandes, d'accord? Ce qui est important, c'est vraiment, il y aura, je vous dis, de la décoration, un matage et de la décoration par-dessus. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Non, c'est pas bon du tout. Voilà. Hop, donc voilà un peu le plan, ok? Voilà, donc ça on va se le mettre de côté. Et maintenant on va venir découper chacun des panneaux, d'accord? Donc moi j'aime qu'il y ait un matage autour de mes panneaux. Donc je vous remonte mon exemple. Donc ici vous voyez à chaque fois que j'ai mis du papier design, j'ai mis un matage blanc autour, d'accord? Les panneaux blancs sont juste blancs, mais les papiers design sont en matage. Donc moi je le prévois comme ça. Après si vous voulez faire autrement, vous savez qu'il y a un jeu de 0,5 entre un matage et son papier design. Donc soit vous l'enlevez, soit vous le laissez. Après vous faites comme vous voulez. Dans le tutoriel écrit que j'ai fait avec le matage. Ok? Donc là hop ça, hop je vais le faire coulisser gentiment sur le côté. On va le laisser tel que. On reprend notre massicot. Donc là maintenant en papier blanc, on va venir découper... Non pas 1, ni 2, ni 3, mais bien 17, non 15, pardon, j'exagère. 15 rectangles de 7,5 par 5,5. 15 rectangles, 7,5 par 5,5. C'est parti. Mince. Donc j'ai dit 15.
Voilà nos 15 rectangles pardon, de 7,5 par 5,5. Ensuite, on va venir se faire 4 panneaux de matage. On va les faire maintenant tant qu'à être avec notre massicot. Donc toujours en blanc. Encore une fois, ici, ce sont les panneaux de matage, ceux-là qu'on vient de faire. On va faire. Donc il en faut 4. Et donc ceux-là, on va les faire en 16,5 par 18. Donc je vous avais dit que c'était très consommateur de papier. Donc 16,5 par 18. Hop, 15, 16, 5. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? 16, 5 par 18. Eh ben, c'est pas du tout ça. Je reprends mes mesures, excusez-moi. C'est pas du tout ça. C'est 16, 5. Oui, ça, oui, effectivement. Mais par... pas pourquoi j'ai marqué 18 sur mon papier, il va falloir que je corrige ça. Donc 16, 5 par 8 et non pas 18. Eh oui, il y a juste un 1 en trop. Donc 8. Voilà 8. Et voilà 8. Hop, 1, 2. Il m'en faut encore deux autres. Alors 8. Et 16, 5. Hop, voilà, ça en fait 3, et on en fait encore un. Ici j'ai une fond de page qui me reste, donc on a 18 sur 16, 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, donc on les met de côté. Voilà. Oh ben je me suis plantée ici, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? 16, 5. 16, 5. Oui. Bon. Toi aussi. 16, 5. Entre 16 et 17. Je dois manquer de caféine. En ayant les 4 papiers dans les mains, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage. Donc là, c'est bon, j'ai mes 4. 1, 2, 3, 4. Ils sont parfaits. Ouf. Je mets de côté. Ensuite... on va venir donc se découper en papier design. Alors, en papier, la décoration papier uni. Ah oui, on va faire ça si vous voulez. On va prendre le papier uni d'abord. On va se faire les panneaux avant et arrière. Papier uni. Donc moi, j'ai toujours mon bleu nuit, d'accord? Donc là, on va se faire 17 par 18, 5. Et on en fait 2. J'ai oublié aussi de le noter. Donc 18, 5 par 17. Hop. 18, 5. Voilà. Et côté 17, on se fait un pli à 8. 8, 5, pardon. La moitié, quoi. Voilà. Donc là, vous venez plier en deux. OK. Voilà. Et on en fait un deuxième comme ça. Vous gardez toutes vos chutes, hein, évidemment. Vous avez bien compris. Toujours, toujours garder les chutes. On n'arrête pas de s'en servir. Ici, le deuxième. Donc, 18, 5 par 17. Hop. Par 17. Voilà. Avec un pli côté 17 à 8,5. Voilà. Tac, je vérifie que mes deux sont identiques. Parfait. Donc ça, pareil, hop, je mets de côté. Ensuite, on va passer au papier design à découper. Donc là, pour le coup, j'ai décidé d'en prendre deux différents. Celui-ci va me servir de matage pour mes petites fenêtres. Et celui-ci me servira pour mes panneaux. Pas de matage. Celui-ci me servira de décoration. Ou celui-ci me servira de décoration. Allez, je change d'avis. Ah oui, c'est trop facile si je ne change pas d'avis. Donc je veux 7 rectangles de 7 par 5. Un. Deux.
4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Hop, je mets de côté. Ensuite, toujours en papier design, on va se faire 4 panneaux de 16 par 17,5. Et là, je prends l'autre feuille, du coup. Donc 16 par 17,5. Si vous avez besoin, vous faites 2 d'une couleur et 2 de l'autre couleur. D'accord ? Donc 16 par 17,5. Non, c'est pas bon non plus ça. C'est mon panneau design. Alors, ici, mon panneau design, c'est 7,5 et non pas 17,5. Chaque fois, j'ai mis un 1 en trop. C'est nul. 7,5. Alors, du coup, je suis perdue. 16 par 17,5. Donc ici, je l'ai coupé à combien? À 17,5. Et donc j'ai dit 7,5. 7,5. 7,5. Voilà. Et on va faire les deux autres. Donc ici, j'ai dû couper... est-ce que j'ai 16 cm? Oui, j'ai 16, donc 7,5. Là, ça m'en fait 3. Et on va faire le quatrième. Donc 7,5 par 16. Ah oui, pas du tout. Alors, hop, du coup, mon papier design, c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, alors ça je vais mettre de côté. Donc je vais me faire 2 panneaux comme ça et 2 panneaux. De l'autre couleur. Pourquoi je change? Parce qu'en fait ici, si je recoupe mon papier dans l'autre sens, mes points ils vont être en horizontal et non pas en vertical. Donc ça, ça me chagrine. Donc du coup, je préfère changer de couleur, enfin de motif, d'accord? Donc là, on a dit, il y a de quoi s'y perdre, hein, je vous le dis. Hein. Donc 16 par 7,5. 16 par 7,5. Voilà, on y est. Les panneaux sont-ils de la bonne taille? C'est bon, miracle. Ouf, allez, maintenant place au montage. Alors, on va reprendre notre accordéon et j'ai mis toutes mes miettes de papier partout dessus. C'est d'une intelligence incroyable. Alors, hop, j'essaye de m'organiser pendant la vidéo. Voilà, voilà. J'ai l'habitude de pousser sur le côté quand je fais la vidéo. Eh bien là, c'était une mauvaise idée. Donc, alors, je vais mettre ça ici. On reprend notre accordéon de base. Audrey, manquerais-tu de place? Bim, voilà. Alors, voilà notre accordéon. De base, vous vous souvenez, on l'avait laissé tel que. Ok. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je vais venir coller tout de suite mon papier design et ma déco avant de coller mes bandes sur mon papier blanc. Colle en avant. Hop, hop, un peu de hauteur pour vous. Donc, mes 15 panneaux blancs. Je viens donc coller mon papier design sur... Hop, sur, tac, 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 combien on en a fait en design? On en a fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 7 panneaux avec mon papier design dessus. Donc toujours 0,5 de différence. C'est ce qui va me faire un joli matage. Donc bleu nuit avec un matage blanc, et ben c'est juste super chouette. Donc je fais les 7 comme ça. Voilà, donc sur mes accordéons, en fait, je vais venir choisir. Alors soit je les mets comme ça. Et je mets mes photos de l'autre côté.
On essaye de respecter. Si vous les mettez côté gauche, vous les laissez côté gauche, d'accord? Pour que ce soit pareil partout. Et c'est ça qui rend le truc un peu sympa. Évidemment, il m'en manque une. C'est parce que j'avais prévu de mettre les photos à l'inverse. Donc je vais changer de mode. Hop, hop, hop. Donc toujours placer ces choses avant de coller. On se coordonne bien. Voilà, et voilà. Donc évidemment, vous n'avez pas le même nombre de photos que de papier design. Donc c'est à vous de choisir ce que vous désirez faire, d'accord? Donc là, je suis bien. Donc là, je vais les coller. Et sur les autres panneaux, tous les autres, je vais mettre une photo, un tamponnage, un message, bref, ce que je veux. Donc ici, ce sera des papiers blancs, d'accord? Et je ne vais pas les mettre d'entrée de jeu. Mais en gros, ça vous fera ça. Voilà. Je vous conseille de le faire et de le coller avant de venir coller votre montage. Ok? Donc là, moi, je ramasse mes panneaux blancs. Vous avez compris, je ne vais pas les faire maintenant parce que je ne vais pas avoir le temps. Il me reste 10 minutes avant d'aller chercher mon fils à l'école et je voudrais terminer cette vidéo. Donc là, je vais juste coller ces panneaux-là. Donc après, vous voyez l'orientation que vous voulez faire. Hein. C'est vous qui choisissez. Voilà, je fais les 7 comme ça. Voilà, donc là, je vais venir coller ces petits accordéons ici sur mon blanc. D'accord? Donc en fait, comment je fais? J'observe d'abord. Je commence à observer. Je vérifie où c'est, si c'est bien placé, etc. D'accord? Et partout où mon papier bleu est en contact avec mon papier blanc, c'est uniquement là où je vais coller. D'accord? Donc soit vous le mettez sur le blanc, soit vous mettez sur le bleu. Moi, j'ai une préférence pour mettre la colle sur le bleu. Donc je mets une bande de papier, je m'installe. Ici, pour l'intérieur des accordéons, je viens mettre une bande de colle ici et une bande de colle là. Je suis très généreuse en colle là. Je le fais exprès, d'accord ? Hop, je me place bien et je viens me mettre ici dans ma rainure. Voilà, vous savez qu'avec la colle liquide de chez Stampin' Up, on a quelques secondes pour bien se placer. Donc on en profite. Pareil ici, une bande de colle, une bande de colle. Voilà, et je viens me mettre dans mon creux. Je vérifie que je suis bien en hauteur. Voilà, je ferme pour m'assurer que tout est OK. Voilà, suivante. Même technique. Et donc, vous les collez un sur deux. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à prendre votre temps. Moi, je le fais un petit peu en accéléré. Parce que c'est une vidéo que vous allez pouvoir voir et revoir à loisir. À foison ou à loisir. À foisir, donc. Voilà. Voilà. Donc là, mon système, il est collé. OK? Donc, now, on va juste faire les panneaux ici sur les côtés. Donc, vous savez qu'on avait nos deux panneaux bleus. En fait, ils vont venir ici englober notre morceau blanc, clac clac comme ça, et ensuite papier design. Donc là, par exemple, je mettrai celui-ci en intérieur et l'autre en extérieur, d'accord? Alors pour ce faire, simplement je reste moi à la colle liquide, je suis très fidèle à la colle liquide. Donc là, tout simplement, je viens mettre ma colle sur mon panneau blanc, donc encore avec grande générosité. Voilà.
Voilà. Et donc je vais poser mon papier dessus. Hop, voilà. Et je vais bien me mettre en place. Voilà. Hop, je vérifie que c'est bien. C'est parfait. De l'autre côté, on ne va pas coller l'arrière tout de suite. Vous prenez le temps. D'abord, on fait les panneaux avant et on fera l'arrière après. Je vais vous montrer pourquoi. Hop, ici. Tac, tac. Générosité dans la colle. Et on vient coller la partie bleu nuit, du moins papier uni que vous avez dessus. Voilà, je vérifie que je suis bien, c'est parfait. Ok. Donc ici, mes deux panneaux de décoration. Vous savez qu'on avait fait des matages blancs. Hop, ils sont là. 1, 2, 3, 4. C'est là que tout prend forme en fait. Hein. Donc, eh bien, je suis absolument pas dans les bonnes dimensions pour le blanc, donc il va falloir que je les recoupe. Vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fabriqué dans ma tête, mais c'était pas très net. Hein. Allez, on va recommencer les panneaux blancs. On va le faire posément, c'est pas grave. Quelle heure est-il? Il me reste quelques minutes. Alors, mes panneaux font 8,5 par 18,5. 8,5 par 18,5. Donc je veux du 8 par 18. Alors, désolé pour le cafouillage, donc je reprends. Papier blanc, on va faire 4 panneaux de 18 par 8. Voilà. Hop, 18 par 8. Donc j'ai corrigé tout de suite sur le tutoriel. Donc les mesures que je vous mettrai en commentaire de cette vidéo, ce seront les bonnes mesures. D'accord? Voilà. Hop. Donc évidemment, toutes les chutes, je les réutiliserai. Donc moi, ça me chagrine pas trop. C'est pour le papier design où je suis un petit peu plus embêtée. Donc je crois que je vais le laisser comme ça, tant pis. C'est pas grave. Hop, voilà. Donc 4 panneaux blancs et 4 papiers design. Notre petit accordéon. Hop, voilà. Alors, dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Et donc, je viens coller mes panneaux blancs. 1, 2, 3, 4. Et ensuite mes designs. Donc ma colle liquide. Ma chère colle liquide. Vous voyez bien, parce que du coup. Voilà. Donc je vous avais prévenu, hein, c'est consommateur en papier. Mais en main, ça donne quelque chose de sympa, puisque du coup, on a quelque chose d'assez épais. Et ça fait vraiment pas petit article de papier, quoi, on va dire. Donc c'est vraiment chouette. En tout cas, moi, c'est un projet qui me plaît bien. Donc, en fait, c'est grâce à une de mes clientes et amies qui l'a fait. Et je lui dis, ah, ça a l'air trop chouette, j'aimerais bien le faire. Et donc, évidemment, elle m'a filé donc le lien de la vidéo de Harmonie. Elle l'avait fait en live. Et voilà. Donc, c'est un live qui date d'un an à peu près. C'était en juillet de l'année dernière. Voilà. Pareil de l'autre côté. C'est toujours plus joli quand on a les bonnes mesures, n'est-ce pas? Bon bah grâce à vous en tout cas le tutoriel il sera nickel. Voilà. Bleu nuit et blanc, je trouve que vraiment ça fait un truc très très classe, très sobre. Et j'aime beaucoup. Et je suis sûre que à Noël on verra des flocons, plein de petites choses avec. Ça va être chouette. Là, je viens juste de me refaire une commande avec du papier uni rouge, bleu nuit, cerise carmin. Enfin bref, j'ai repris mes petites bases pour être au taquet pour les fêtes. Donc du coup, on avait nos 4 morceaux de papier design qui sont coupés trop petits, mais ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc en intérieur celui-là.
et en extérieur je mettrai celui-là. Eh bien tant pis, il y aura un peu de marge en haut et en bas. Je laisse comme ça. J'ai pas beaucoup de papier design, donc là pour le coup ça m'embêterait de les redécouper. Donc vous avez vu, moi je fais tout à la colle liquide et ça dépend en fait de ce que je fais comme... souvent on a ces questions là dans les autres groupes de scrap, à savoir quelle colle vous préférez, si c'est la colle liquide, le scotch double face. Et donc moi je réponds souvent, je prends toujours les deux parce que ça dépend de ce que je fais. Quand je colle vraiment papier sur papier, je préfère utiliser la colle. Et quand c'est un montage où je veux vraiment que ça tienne, là j'utiliserai plutôt du double face. Comme des boîtes, ce genre de choses. Voilà. Mais je pense sincèrement qu'il faut les deux. Et après, c'est les habitudes des uns et des autres. Alors, ici, oui, dans ce sens-là, ce sera très bien. Faites attention au sens, bien sûr, en collant votre papier design. C'est à votre préférence. Voilà. Donc là, ça nous fait quand même un truc plutôt sympa. Voilà, voilà. Donc vous verrez en main, hein, ça fait quand même pas mal d'épaisseur de papier. Et c'est vraiment agréable. D'accord? Voilà. Donc du coup ici, on avait fait une... On l'avait peut-être pas faite. Mais en fait, il nous faut une bande de 2 cm. Voilà, je vais prendre celle-ci parce qu'elle est déjà prête et que ça va m'épargner du papier. Donc ce que je fais, c'est que je viens le positionner dessus. Je me mets bien droit. Et en fait, je viens créer mes plis ici en bordure. Et de l'autre côté, pareil, en bordure. D'accord? Donc je viens vraiment insister sur mon pli pour avoir un joli pli bien régulier. Donc ça m'épargne de mesurer, de reprendre le massicot, etc. On essaye de ne pas faire trop serré. Parce qu'en fait, ça dépend évidemment de l'épaisseur du papier, de ce que vous allez mettre dedans. Si c'est des photos, s'il y a encore des découpes, etc. Donc essayez de vous prendre quand même un truc assez large. Pour avoir de la marge, d'accord, pour bien le fermer. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens couper ici le surplus de mon papier. Voilà, alors désolé pour les cris que vous venez d'entendre, mais c'est mon fils, donc vous avez bien compris que je suis allée le chercher à l'école. Donc là, il est gentiment en train de goûter dans sa chambre et papa vient de rentrer. Donc du coup, voilà, cri de joie. Bref, alors on en était là. Hop, donc je vous disais, je mets mon bandeau dessus. Je viens serrer ici mon papier. Donc je me suis coupé le surplus qui était derrière, d'accord? Donc je fais assez souple parce que je sais que j'aurai de l'épaisseur en plus, d'accord? Et donc ici, donc on en parlait tout à l'heure, vous voyez, on va l'utiliser. Là, je mets du double face, d'accord? Donc je viens en mettre sur un côté et sur l'autre. Hop. Ici. Oh là là. Et des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Et donc de l'autre côté. Hop. Voilà. Hop. Voilà, donc je referme encore une fois mon truc. Voilà, comme ça et comme ça. Et donc bien sûr, j'ai fait n'importe quoi. Je suis vraiment plus concentrée, je suis désolée. Alors, je vais recouper encore une fois et je vais recommencer dans l'autre sens. Donc, l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est que ça vienne que sur le papier et non pas sur mon album. Voilà. Là, normalement, je mets 2 bandes de papier pour que ça serre bien. Et donc ici, je viendrai mettre une déco centrale que j'ai pas eu le temps de préparer et que je ferai plus tard parce que je mettrai certainement une photo, voire le prénom de mon fils.
Et donc, on vient donc coulisser notre bandeau pour venir ouvrir notre album. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, juste pour reprendre les dimensions, hop, je vous remets ceci. Je vais vous mettre au propre hein, dans les commentaires de la vidéo. Voilà. Donc, en base, blanc pour la découpe de l'album. Donc, il vous faut du blanc 24 par 18 avec des plis 4, 8, 12, 16, 20. 28 par 18, 5, 4, 8, 12, 16, 20, 24 du côté 28. Deux valets de chaque côté, vous vous souvenez, et on les colle ensemble. Ensuite, toujours pour la découpe de l'album, trois bandes de papier uni de couleur. Donc, moi j'ai pris du bleu nuit en 24 par 6 avec des plis à 8 et à 16. 3 bandes de 18 par 6, plis 8 et 16. On les relie ensemble, vous savez, le gros morceau avec le petit morceau. Et on se fait nos 3 bandes. On vient faire nos plis. On vient installer ensuite la décoration. Donc là, du coup, sur la déco. Hop, on en est là. Pardon. Donc, le papier blanc, on se fait 15 rectangles de 7,5 par 5,5. Et dedans, on vient mettre du papier design 7 par 5. Donc, on retire 0,5. Ensuite, pour les panneaux qui m'ont posé souci, on est donc sur des panneaux. Donc, on a notre base ici, unie, qui est là. Donc, 17 par 18, 5 avec un pli à 8, 5. Vous savez, on en fait deux. D'accord? Et ça, deux fois. Un crayon. Deux panneaux. Deux fois. Voilà. 17 par 18, 5. D'accord? Ensuite, dessus, on vient mettre du papier blanc. Donc là, on se fait 4 panneaux de matage 8 par 18. On a retiré 1/2 cm. Et ensuite, on vient mettre du design. Donc 7,5 par 17,5. D'accord? Voilà. Et ensuite, la déco. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Je vous remettrai ça, comme je vous dis, dans les commentaires de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que surtout ce projet vous plaît. Donc n'hésitez pas, faites-le, montrez-le, montrez-moi, partagez-le, faites voyager, ça m'aide beaucoup, moi, à me faire un petit peu connaître dans le monde du scrap. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne, que ce soit pour télécharger les catalogues ou bien commander, bien sûr. https://audreybillard.stampinup.net. À très vite !